Vous allez pouvoir entendre de la musique traditionnelle vietnamienne. Mesdames et messieurs, bonjour. L'école Vietnamo vous salue. Tradition, culture, grâce et technique conjuguées à l'esprit martial. Le Vietnamo est une très ancienne école. C'est aujourd'hui la première école de France d'arts martiaux traditionnels vietnamiens. Vietnamo France, c'est des pratiquants et des clubs un peu partout en France, encadrés par plus de 150 ceintures noires. L'école Vietnamo, c'est 5 grands fondements. 1. Le sens de l'école. Les pratiquants du Vietnamo se voient tels des frères d'armes étant jurés respect, fraternité, engagement, compassion et fidélité les uns envers les autres et tous envers les autres. 2. Le travail sur soi-même. Tout pratiquant du Vietnamo est engagé à persévérer dans la découverte de soi et l'atteinte de la meilleure harmonie pour le corps et l'esprit. 3. L'observation et le respect des autres. La considération pour ce qui nous entoure. 4. La connaissance. Ce sont les enseignements ancestraux, la philosophie, les techniques martiales, la stratégie militaire, les sciences appliquées traditionnelles et les codes oraux. 5. Enfin, l'application des forces qui résultent de ces fondements doivent servir la société où nous vivons. Nous allons accueillir Maître Nguyen Coc Thot, Nguyen Duc, Nguyen Trinia, Nguyen Butriet et Nguyen Thong Tri, descendants du maître Tan Long, entourés de l'équipe nationale de démonstration de l'école Vietnamo France.
J'arrive. Attention, concentration, travail de classe, bien sûr, le travail de faire chez soi, ainsi que les coupes réalisées avec précision, mise en place du matériel. Je vous invite à observer, surtout les enfants, ne refaites pas ça chez vous, vous sans mon autorisation. On applaudit. Attention, travail de précision, en place. Tous les éléments. Concentration. Supplémentaires, les yeux bandés à la veille, gestes répétés des milliers de fois. Attention. Ce n'est pas terminé, on garde la concentration. Même chose, les yeux bandés. Exceptionnelle démonstration.
de précision, de vitesse, de contrôle. Des années bien sûr de pratique, je le répète, ne refaites pas ces gestes chez vous. Ils sont strictement interdits, car extrêmement dangereux.